Pour aider les personnes marginalisées et vulnérables à se défendre contre les actes d'exploitation et d'abus sexuels, une activité a été conjointement organisée le 17 juillet au Centre universitaire catholique à Bangui par le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, la MINUSCA et plusieurs ONG intervenant sur les violences basées sur le genre. La sensibilisation, qui a ciblé près de 70 travailleuses du sexe, entre dans le cadre de la politique de tolérance zéro des Nations Unies en ce qui concerne les exploitations et les abus sexuels commis en particulier par le personnel de l'organisation. On a pu mener cette activité sur ce sujet qui est en lien avec les impacts du COVID-19. Les sex workers, les femmes libres aussi, sont extrêmement dans le besoin. Leur niveau de vulnérabilité augmente. Donc, on a pensé à ces le moment opportun d'organiser cette séance avec cette association pour enseigner, sensibiliser les membres de cette catégorie sur la politique de tolérance zéro du secrétaire général, y compris les mécanismes de dénonciation qui existent au sein de la mission et avec l'assistance qui est disponible pour les victimes d'exploitation et d'abus sexuels. La participation de partenaires tels que le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant et l'ONG locale Urgence Résilience pour le Développement en Afrique a permis de renforcer le taux de participation à cette causerie éducative. Les participantes sont issues des 8 arrondissements de la capitale et membres de l'association Filles Libres. Aujourd'hui, on s'est capitalisé sur les femmes, les filles libres, donc communément appelées les filles libres ou encore les prostituées. Ce sont des personnes qui subissent beaucoup d'actes d'exploitation et d'abus sexuels, mais qui n'ont pas de voix qui porte pour dénoncer ces actions-là. Les participantes âgées de 16 à 45 ans ont pu avoir l'opportunité de découvrir les possibilités de recours lorsqu'elles sont victimes ou témoins d'actes d'exploitation ou d'abus sexuels. Parfois, on te prend en force. Tu n'as pas envie de faire ça. C'est même pas ta volonté. On nous a dit, même si on te force, il fallait que tu appelles 40-44 pour l'informer que tu es en train d'abuser par le travailleur de Nations Unies. La prochaine causerie éducative portant sur les exploitations et abus sexuels est prévue pour le 15 septembre prochain à l'intention des étudiants en médecine, en sociologie et en sciences juridiques. En attendant, la campagne par SMS portant sur la prévention et la réponse aux actes d'exploitation et abus sexuels se poursuit en partenariat avec les opérateurs mobiles.